Dans Elle, épisode D, ici tout commence, programme le lundi 9 mai 2022 à 18h30 sur TF1, année bouleversée après avoir appris être enceinte. La jeune femme se sent perdue et se confie à Kelly. Hélène n'ose pas annoncer la nouvelle à Lisandro. Plus, elle se confie à Salomé et lui annonce cette nouvelle étonnante. Elle évoque avoir des doutes et hésite à garder le bébé. Son ami conseille alors d'en parler à Lisandro. En rentrant chez eux, Anne finit par annoncer la nouvelle à son compagnon. Ce dernier est fou de joie tandis qu'Anne garde ses doutes pour elle. Louis et Charline S. en prennent à Salomé dans le parc, lui reprochant de ne pas faire profil bas. Louis tient la jeune femme responsable de elle, état de sa mère. Le ton monte, et Clotilde est obligée d'intervenir. La chef Armand prévient Rose, Guillaume est essié et craint que Louis se venge de Salomé. Le cas de Louis divise les professeurs. Mais, Tessier le convoque dans son bureau et lui propose de remplacer sa mère comme professeur à elle, institut. Le jeune homme accepte. Par ailleurs, elle, enquêtée de la gendarmerie, progresse. Le propriétaire de la salle est mis en cause, le plafond de VS, écroulé même sans la boule à facettes et les éclairages. Salomé est donc innocentie. Mais, le gendarme lui demande si le propriétaire lui a confié les clés. Elle confirme, mais les a perdues en quittant la salle. Le capitaine Brassac annonce que la porte était fermée à clé lors de elle, accident. Une personne a donc voulu tuer les participants au bal, au doubla. Lionel voudrait être en cuisine plutôt qu'en salle car il est inquiète pour elle, opération de Kelly. Mais, Tho a besoin des autres élèves en cuisine et Lionel ne peut donc pas être remplace. Hélène a pas de nouvelles de elle, opération de Kelly et commence à fortement s'inquiéter, car Laetitia ne répond pas au message. Finalement, elle lui envoie un message pour annoncer que elle, opération de sa fille est bien passée. Lionel est en plein service. Tho explique alors la situation au client. Ce dernier félicite les élèves et entraîne toute la salle. Brigade est applaudie. Vous commencez à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.